untouchable. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est cette fois-ci dédiée au HDV8. Donc je vais vous présenter des attaques que je fais avec un village HDV8 que j'avais déjà présenté auparavant. Donc là je suis en période, on va dire, farm de élixir noir. Et pour ça j'attaque que des villages HDV8 et moins, ayant plus de 2000 élixirs noirs. Donc ça demande un peu de temps de recherche, en général un quart d'heure, 20 minutes, bah, des fois vraiment beaucoup moins. On arrive à trouver de très bons villages à piller en noir. Donc là, mon but, c'est d'avoir les 50 000 élixirs noirs pour passer ma Valkyrie en level 2 sur ce camp. Donc là, je vais vous montrer 3 gameplays d'attaque, dont un avec un Goa'uld classique, et deux avec la compo que j'utilise maintenant pour le farm. C'est une composition, comme vous pouvez le voir ici sur les deux dernières attaques, dans laquelle il y a à peu près une 70 archers, une trentaine de barbares, 3 guérisseuses, 8 géants, 7 sapeurs, le roi évidemment, plus 3 sorts de rage ou 2 sorts de rage et 1 sort de soin en fonction de ce que j'ai formé. Donc au moins minimum de rage. Donc le but est de chercher des villages qui ont plus de 2000 élixirs noirs, qui sont relativement faciles à prendre, surtout avec cette dernière composition qui ne peut pas percer les gros villages. Et bah, si le réservoir est accessible, il ne faut pas hésiter à attaquer. Donc on va commencer avec le premier gameplay en Go Ape. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on est sur une attaque contre un village qui est HDV8. Max en termes de défense, 8 OT au maximum au niveau défense, sauf les murs. Il est en train de faire ses murs en level 9. Donc la voie qu'il est assez riche, 2400 noirs, 300 000 roses et or. Là je décide donc d'attaquer en Go Ape sur cette attaque. J'avais le Go Ape qui était formé. Donc là je décide d'attaquer par ce côté, donc le côté, je baisse un peu le son. Le côté nord-ouest avec une entrée des deux golems, suivi par la ligne de sorciers et les P.K. Donc il faut bien dégager tout l'extérieur avant de mettre les P.K. Sinon les P.K. ont tendance à faire le tour du village et là c'est un faille assuré. Donc bien dégagé, ce qui va permettre l'entrée des P.K. à l'intérieur. Donc là les golems font vraiment très bien leur rôle de tank. Bon, donc j'ai les deux qui sont rentrés à l'intérieur du village, donc c'est parfait. Le roi n'est pas ciblé pour le moment, puisque la Tesla et le canon ciblent les golems. Donc ça rentre très bien, vous voyez, c'est d'une facilité extrême, on va dire. Donc l'accès aux différentes défenses, donc je vais accélérer un petit peu. Donc vous voyez que là, j'ai utilisé un sort d'orage tout à l'heure, un soin. Et donc là, j'ai activé la capacité du roi, bon, qui est mort à la fin. Donc là, il reste les deux PK. Vous voyez, les deux PK sont sortis à l'extérieur du village. Bon, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Cette fois-ci, c'est bien, parce qu'ils sont à l'extérieur, ils nettoient l'extérieur. Il y a toujours un golem vivant, donc ça, c'est vraiment top, parce qu'il va voir, vous allez voir, il va faire vraiment tank. Donc là, la TDA est focus dessus, qui se fait dégommer par le sorcier. Bon, bah là, après, il ne reste pas grand-chose. Reste le château de clan plus le réservoir rose qui vont finir par tomber. Donc voilà, un très joli Go-Ape. Donc le principe, c'est les deux golems, la ligne de sorcier, les PK, une fois tout bien dégagé, les sapeurs pour ouvrir une brèche pour que tout le monde puisse rentrer. Alors si vous voulez plus de gameplay en Go-Ape pour les nouveaux HDV8 qui commencent à utiliser cette technique, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ferai un tuto beaucoup plus approfondi concernant cette composition. Alors là, on se retrouve avec un deuxième gameplay. Cette fois-ci, avec cette composition de géant guérisseuse et archer et barbare. Donc voilà, là, le principe, quand je farme le noir, n'est pas de chercher les trophées. Les trophées, ce n'est pas une priorité. Que je gagne ou que j'en perde, ce n'est pas très important. Donc là, l'important, c'est de gagner, de farmer l'élixir noir. Donc là, vous voyez que
Le réservoir est légèrement excentré vers le haut à droite. Donc là, on va essayer d'aller le choper avec cette composition. Donc, le plus dur avec cette compo archer-barbare est que les archers et les barbares ont tendance à aller faire le tour du village si tout n'est pas bien nettoyé. Donc là, vous allez voir, dans cet état, vous allez un peu rire. J'ai commencé à vouloir nettoyer, donc j'ai déposé mes archers, donc je commence à nettoyer l'extérieur. Donc plus on nettoie, mieux c'est pour déposer derrière les archers. Vous allez voir, vous allez comprendre de quoi, pourquoi je dis ça. Donc là, voilà, le nettoyage qui se fait. Et bim, là, il a des géants dans son château de clan. Et donc là, j'ai mal joué mon sort de poison. J'aurais dû utiliser la technique dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos pour éliminer rapidement le CDC. Vous pouvez la voir dans mes précédentes vidéos. C'est une superbe astuce pour éliminer le château de clan. Donc là, je me suis amusé à faire balader les géants parce que je voulais rentrer absolument de ce côté pour aller chercher l'élixir noir. Donc si je mets mes géants et mes troupes, ça va vachement ralentir à cause des troupes de 100 CDC. Bon, j'accélère un peu la vidéo. Donc vous voyez là, je les traîne. Je vais les balader jusqu'à l'autre côté du village, encore plus vers le sud. Et là, je décide d'attaquer. Voilà, hop, je dépose mes géants plus mes guérisseuses pour guérir les géants, les sapeurs pour ouvrir une brèche. Et derrière, j'envoie là toute la masse d'archers. Donc, vous voyez là, vu que tous les côtés sont propres, ça va faire que les archers et les barbares vont aller directement à l'intérieur du village. Si les côtés n'étaient pas propres, les troupes vont se disperser et là vous ratez votre attaque. Donc là tout se déroule bien, ça rentre à l'intérieur, j'envoie tout ce qui reste comme archers de ce côté vers le haut. Ça rentre à l'intérieur, je vais mettre un sort d'orage, voilà, pour accélérer, hein, pour le but là c'est vraiment de choper l'élixir noir au plus vite, avant que les coups de mortier n'arrivent à détruire, à tuer toute ma horde d'archers et de barbares. Donc voilà, là c'est tombé. Donc du coup, je vais tout de même continuer. On va aller chercher ce qui reste un peu dans le HDV. Donc là, je pense que je vais quand même faire une étoile sur cette attaque. Donc voilà, il n'y a plus d'archers, il reste que le roi et les géants. Donc je vais les laisser finir de faire tomber le HDV. Comme ça, je récupère le max d'élixir noir. Là, j'ai arrêté avant la fin du temps. Voilà, donc j'ai mes 2000 élixirs noirs. Rose et orge, ce n'est pas une priorité pour le moment. Troisième gameplay avec la même composition que tout à l'heure, c'est-à-dire géant, guérisseuse, archer, barbare. Donc là, idem, l'idée est de bien nettoyer l'extérieur avant d'aller chercher l'élixir noir qui est bien au milieu. Donc là, les défenses ne sont pas très puissantes. Il y a une tour de sorcier qui est en amélioration. Donc c'est bien, ça fera une défense de moins. Hop, j'accélère un petit peu. Donc là, voilà, je dépose les archers. Je nettoie au maximum les bâtiments. Vous voyez, un nettoyage maximal de tous les bâtiments qui se trouvent sur ma ligne d'attaque. Et voilà, donc là, j'attaque avec le dépôt des géants, plus les guérisseuses, et derrière, bah, toute ma horde d'archers, puisque les défenses vont focuser uniquement sur les géants, ce qui laisse tranquille le roi et la horde d'archers et de barbares. Voilà, les archers se mettent un peu sur le côté quand même, en allant chercher les bâtiments sur le côté, donc on peut en perdre. Donc c'est pas trop grave, vous voyez, ça revient. Là, une fois proche du réservoir, un sort d'orage pour accélérer tout ce beau monde, et voilà, boum, c'est tombé. Donc voilà, après, si j'arrive à choper l'HDV ou le reste du noir, c'est pas mal, sinon 1800 élixir noir, c'est déjà un très beau gain. J'accélère un petit peu. Finalement, le roi, comme vous pouvez le voir, revient vers le HDV. Il fait tomber l'HDV, je récupère. Donc 2126 élixir noir, très très bien. Sur 3 attaques, je suis à quasiment 7000 élixir noir. Voilà, donc je vous montre mon journal d'attaque, hein, comme vous pouvez le voir, je fais cette composition très 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 souvent, hein. Je suis à, voilà, 2300, 2200, 2300, 1800, 2200, 2500. On a un petit ratage, hein, 424, et puis bah, les trois gameplays que je vous ai montrés. Donc ça fait quand même pas mal de gains.
Avec cette composition, ben, écoutez, on peut voir peut-être un autre gameplay. Ben non, là, je peux pas les voir. Oh, bah, allez, on va voir celui-là. C'est une attaque sans le roi. Donc, village relativement facile. Il y avait quand même ces trois Tesla proches du HDV, hein, une sorte de village troll. Bon, j'ai fait la même chose avec le village que j'ai. Ce n'est pas trop grave. On nettoie au maximum. J'ai envoyé mes géants qui sont avec. Guéri par les trois guérisseuses, voilà, hop, les archers rentrent à l'intérieur. Donc le tout, c'est ne pas d'envoyer tous les archers d'un coup, les envoyer par groupe, pour celles qui vont sur les côtés nettoyer, comme ça va nettoyer, et ensuite vous envoyez le reste, et ça va aller directement au centre du village, pour choper Élixir Rose, qui est bien caché à l'intérieur. Donc là, vous voyez bien, ça se finit par un gain de 2277 élixirs noirs. Voilà, en tout cas, cette composition est efficace dans mon cas, je pense que je vais continuer avec pour vraiment gagner un max de noir pour faire passer ma Valkyrie au level 2. Voilà, donc je promets, je posterai d'autres vidéos sur les attaques HDV8, puisque j'ai deux comptes HDV8, et je partagerai avec vous les différents gameplays, donc j'essaierai de faire d'autres compositions et vous en faire part. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des suggestions ou des demandes particulières par rapport à des attaques en HDV8. Et je ferai de mon mieux pour publier plus de vidéos sur l'HDV8. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait.